On va leur demander comment ça se passe, Bruno et Michel, ici. Bruno, vous cassez les mottes, c'est le cachu, ça s'appelle le cachu, Bruno, ici. Oui, ben chez nous, dans le Beaufortin, c'est pas tellement utilisé, il y en a très très peu. Oui. C'est un casse-motte, hein, c'est ça, hein? C'est un casse-motte, oui. On va le montrer. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à casser les petites mottes de terre, à hein? Casser les mottes, comme son nom veut l'indiquer. Et puis ça sert aussi à les couvrir légèrement les graines. Et ouais. Donc tasser aussi la terre de manière à ce qu'il y ait une meilleure germination. Avec la jument Rika, on va aller voir Michel, on va demander aux petits jeunes de monter sur le cachu. Michel, le cachu, ça se trouve où ça? Pas dans les magasins quand même, Michel? Ça se trouve dans les fermes, oui. Chez nos parents, nos grands-parents. Et on a bien le montré, hein. Voilà. C'est quoi exactement? Voilà, on voit ce que c'est exactement ici. En fait, c'est fait avec des lugeons d'une ancienne luge à bois, sur laquelle on a rajouté des planches. Et on a mis ce rouleau derrière pour uniformiser. Pour uniformiser, voilà. Voilà. Alors, les petits jeunes là-dessus, on leur demandait, les petits jeunes là-dessus. Les petits jeunes sont Cléo et puis Jérémy, deux cousins, c'est ça, hein? Ouais. Vous faites quoi? Vous faites le poids, vous les deux, là-dessus? Oui. Oui, moi. Alors, s'ils ne sont pas dessus, on a bien compris que s'ils n'étaient pas dessus, ça ne marcherait pas assez, ça serait pas bon. Non, ça ferait pas les mottes. Alors, une tenue locale, vous avez le béret là-dessus? Oui. Moi, ce que j'aime bien... Cléo, c'est les chaussures avec les lacets en quoi, là? Bah, en bout de ficelle. Comme avant? Parce qu'il n'y avait plus de lacets, et donc papa, il m'a sorti un bout de ficelle pour faire des lacets. Non, c'est pas des chaussures d'aujourd'hui? Bon, non. C'est tout comme avant. Vous auriez aimé vivre ces moments-là, vous, tous les deux? Oh, ouais, c'est ça serait pas mal. Mais c'est du travail ou du loisir? Du travail, plutôt. Du travail, hein? Du travail, mais au bout d'un moment, je lasserais. Tu t'en lasserais, ça se coupe un peu, non? Non, ça va. On va vous laisser partir en tout cas, merci. Dis donc, autrefois c'était quand même sérieux, Michel, ça. Alors, autrefois c'était beaucoup plus grand, c'était sérieux. Et oui, il fallait pas prendre ça à la rigolade. C'était, notre père était très strict sur les pratiques à faire et on n'était pas là pour passer un bon moment. Ne rigolez pas. Allez, on vous laisse pas travailler. Forcément. On n'en est pas martyrisé pour autant. Hein. Dans ce cadre magnifique de la Giette avec la chaîne des Aravis derrière.